Allô, allô, 1, 2. Est-ce que le petit bitonio il bouge? Allô? Ouais. Allô, 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 allô. Salut, ça fait plaisir de te retrouver sans personnage. Ouais. Ok, d'accord. Nous sommes bien en direct en compagnie de. Un prénom ou une scène? Ou Guillaume? Monsieur. Ou monsieur, monsieur. Bon, on a. Alors c'est pas patate rouge aujourd'hui, puisque après avoir réécouté le dernier enregistrement de la semaine dernière qu'on a fait ensemble, on s'est dit qu'on allait tester autre chose avec un texte, un vrai texte et. Et on va bien s'éclater, les enfants. Donc, le texte qu'on va lire aujourd'hui, donc c'est une pièce de théâtre. Hein, ça dure 4 heures. Non, c'est pas vrai. Alors, un truc insupportable. Et c'est une pièce super classique. Le soulier de satin de Paul Claudel. Ouais. Donc, j'espère que... Bah, c'est en vieux français. En vieux français, voilà. En latin. Il y a des passages en latin aussi. Non, bah, pour être sérieux... Rodolphe, bon, je vais t'appeler Rodolphe. Donc avec Rodolphe, on a décidé de lire un extrait de Ionesco. Donc le passage, c'est la courte pièce, si on veut, qui s'appelle La mort et le médecin. C'est ça, Rodolphe? Confirme-moi. C'est ça, Guillaume. Ah merde, je m'appelle Guillaume. Okay. Putain, ça fait plaisir, disons, de parler sans personnage. J'ai l'impression d'être de retrouver de la spontanéité. Ouais, en effet, c'est ça. T'es tellement enfermé dans le personnage de Robert et de... Jean-Claude. Ah bon? Ok, je savais pas que tu t'appelais Jean-Claude. Mais non, mais de Robert, t'as dit. Ouais. On était tellement enfermé dans le personnage de Robert et de... je dis Jean-Claude. Ouais. C'est Gérard et Rodolphe. Ah oui. Oh putain. Je sais pas pourquoi je pensais que j'étais Robert. De Gérard et de Rodolphe qui faisaient patate rouge. Putain, c'est vraiment pas compréhensible ce que je dis là. En tout cas, on est parti pour un gros 5 minutes de bonheur, hein, d'extase. C'est ça, hein, lecture de texte à la radio. Bon, on a rarement vu ça, je crois. Est-ce que t'as déjà. Donc on commence. On commence, d'accord. Ouais, je sais pas, j'ai envie de parler. Ok, parle. Non, c'est bon, allez. Alors. Es-tu prêt, mon ami? Hein? Es-tu prêt? Ok, go. Prêt, ready. Où vas-tu? Hein? Go. Hein? C'est pas là? Jusqu'à. Ok, d'accord. Bah, là, attends, bah, je refais. Bon, 3, 2, 1. 2. Ah! Bah en fait oui c'est vrai. Bah en fait j'ai envie de le skipper ça. Ok. On va commencer direct avec la pièce. C'est on s'en fout. Donc madame et monsieur. Donc moi madame. Où vas-tu? Au bureau. Encore? Tu y es déjà allé hier? Non, hier je n'ai pas eu le temps. J'étais occupé à être malade. Et comment te sens-tu aujourd'hui? Comme tu voudras. Je veux que tu sois malade. Bien entendu, je serai malade ce soir. Mais bon. Maintenant, il faut que je sorte. Bon, prends garde aux rues barrées. Elles ne sont pas bien barrées. Il suffit de faire le tour. Tu n'emportes pas ton chien? Je l'ai dans la poche. Et les enfants? Ils sont au garage pour la réparation. Allons, au revoir. Je suis en retard. Ah, tiens, voilà une montre à l'heure. Parfait, elle est en avance, je l'emporte. Adieu, à ce soir. À ce soir. Au métro, monsieur devant le guichet. Madame, je voudrais un ticket. Monsieur, malheureusement, je n'ai plus que des vieux tickets. Ça ne fait rien, donnez-moi un. C'est combien? C'est 1000 francs. Ce n'est pas cher, voilà 1000 francs. Merci. Mais je ne sais pas quand le métro partira. Ah, il est peut-être arrêté. Oui. Pourquoi? À cause de la pluie. Mais il fait pourtant un beau soleil. Ah, ça ne fait rien, c'est le soleil des jours de pluie. Ah, je comprends. Alors, je vais attendre. On va faire la conversation tous les deux. Oh, c'est ça.
Vous aimez parler cuisine? Pas beaucoup, j'ai tout le temps faim. Moi aussi! Qu'est-ce que vous pensez de la crème au vinaigre? Très bon, très bon. J'en mange à chaque repas avec de la queue de rat. Aujourd'hui, jour sans métro. Aujourd'hui, jour sans métro. Aujourd'hui, jour sans métro. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Il n'y a pas de métro aujourd'hui. C'est ennuyeux. Comment est-ce que je vais faire pour aller à mon bureau? Prenez le métro semblant. Il passe souvent? Toutes les 5 minutes. Ah tiens, en voilà un. Bon, je le prends alors à ce soir. À ce soir. Quelle est votre adresse? Je n'en ai pas. Ça ne fait rien. Venez quand même, c'est à gauche. Entendu. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. À la maison, le soir. Oh, mon pauvre mari. Je te l'avais bien dit ce matin que tu serais malade. Tiens, prends ce remède. Il est bon, ton remède. C'est toi qui l'as fait. Oui, avec du vin, un peu de beurre, de la salade cuite et aussi du sable, naturellement. C'est tout à fait ce qu'il me fallait. Maintenant, dors. Je m'en vais 5 minutes. Non, 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 ça ne marche pas. Je me lève, je vais à ma table, j'écris. Ah, je te croyais malade. Oui, oui, je serai malade quand le docteur arrivera. Alors qu'est-ce que tu fais? J'écris des vers. Encore? Mais ce ne sont pas de vrais vers. Ah bon? Alors viens plutôt jouer avec moi. À quoi? À faire la cuisine. Tu sais bien que tu as invité la dame du métro. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, une soupe, pour commencer. Oui, une soupe. Tiens, voilà des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Bien, on va les faire cuire. Ah tiens, ça y est, ils sont cuits. Oui, mais il faut aussi de la viande. Ah, j'ai des tickets. Tant mieux, tu vas voir. Il n'y a qu'à les poser sur le feu. Et voilà 3 beefsteaks. Oh tiens, le docteur, recouche-toi vite. C'est vrai, je suis si malade. Continuons. Bonjour docteur. Bonjour madame. Permettez-moi de vous embrasser. Oh, attention à mon indéfrisable. N'ayez pas peur, je m'y connais. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, docteur. J'ai pris froid au bureau. Ah ah, c'est très dangereux, le bureau. Voyons, voyons, vous avez de la température? Oh, oui, docteur, il a de la fièvre depuis tout à l'heure. Faites-moi voir votre main. Tiens, elle est bien sale. Vous vous lavez souvent? Pas souvent, docteur. Il n'y a plus de savon. C'est juste, c'est juste. Et votre langue? Un peu noire, je parie que vous avez mangé de la réglisse. Oui, docteur, j'achète de la réglisse au bureau. Ah ah, décidément, très dangereux ce bureau. Comment vont vos pieds? Ils vont très bien, merci. Tiens, ils sont aussi sales que vos mains. C'est à cause des chaussures. Oui, mais c'est mauvais. Ça doit être la rougeole. Vous souffrez d'un symptôme. Qu'est-ce que c'est que ça, un symptôme? C'est une maladie grave, une grave maladie. Mon Dieu, docteur, est-ce possible? Oh tiens, qui peut bien sonner à cette heure? Bon, entrez quand même. Bonjour, tout le monde. Je ne vous dérange pas? Du tout! C'est la dame du métro qui vient dîner avec nous. Asseyez-vous donc, le docteur achève mon mari. Je suis à vous dans un instant. Ne vous pressez pas, j'attendrai. Bon, alors je vais vous faire une ordonnance. Avez-vous du papier? Tenez, docteur. Voilà le régime. Un bouillon de légumes tous les 2 heures, une promenade en chevaux de bois le matin à jeun, 3 fois par jour, un cataplasme composé de charbon, de plâtre et de fromage de gruyère. Évitez le bureau, restez allongé ou debout, selon le cas. Se laver les mains et les pieds avant chaque repas. Voilà, c'est tout. Mais bien, merci docteur, je vous dois combien? 100 000 francs. Bien, les voici. Merci et au revoir. Je viens dans 1 heure voir si ça va mieux. Oh, je vous accompagne, docteur. Ah, chère dame du métro, je vous ai fait venir parce que je vous aime. Oh, moi aussi. Dépêchons-nous, faites-moi un enfant.
tout de suite, voilà. C'est un garçon. Oh merci, ça fera des allocations familiales. On va être riches. Et moi, je me sens rudement mieux. Tiens, tu n'es plus malade ? Non, il n'est plus malade pour le moment. C'est bien embêtant. Pourquoi ? Parce que je suis la mort. Il va falloir que je revienne. Comment ? Vous êtes la mort ? Et vous ne le disiez pas tout à l'heure ? Oh ! Voulez-vous figer le camp tout de suite ? Je m'en vais, mais je reviendrai tout à l'heure. Et nous verrons. Je suis fatigué, je me recouche. Non, tu n'es pas fatigué ? Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Alors viens au cinéma avec moi. Alors viens au cinéma avec moi. Bonne idée, où ça ? Ah ah ah, tu vois que tu n'es pas si fatigué. Je ne suis pas fatigué pour aller au cinéma, mais je suis fatigué pour rester ici. Oh, je parie que c'est le docteur. Attends, j'ai une idée, recouche-toi. Je te le disais bien. Entrez. Ah, comment va mon malade ? Très mal, docteur. J'ai les pieds de plus en plus sales. Mauvais, ça. Très, très grave. Je crois qu'il va mourir. Ça se pourrait bien. Docteur, mon pauvre mari veut vous demander quelque chose avant de mourir. Volontiers, quoi donc ? Il voudrait jouer au médecin. Rien de plus facile, je lui apprendrai. Bon, alors, lève-toi, mon mari. Et là là, mon Dieu, comme je suis fatigué ! Fais un effort. Bon, bien. Alors, maintenant, docteur, couchez-vous à sa place pour lui donner la leçon de médecin. C'est ordonné. Moi qui ne suis jamais malade. Allons, prenez-moi la main. Qu'est-ce que je dois faire ? Dites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. Vous savez compter. Vous ferez un bon médecin. Maintenant, regardez ma langue. Oh, je vois une petite bête sur le bout de votre langue. Je vais faire l'opération. Mademoiselle, donnez-moi une pince à sucre. Bon, c'est la dame du métro. Bon, entrez, on vous attendait. Je savais bien qu'il n'y avait plus pour très longtemps. Je viens le chercher pour l'emmener au cimetière, puisque je suis la mort. Je vous en prie, il sera bien débarrassé. C'était un vilain mari, hein. Il faisait des enfants à toutes les dames. Je le sais bien. Il m'en a fait un tout à l'heure. Bon, allons, au cimetière. Mais je ne suis pas le malade, je suis le médecin. Oh, ça ne fait rien. Vous êtes mort. On va vous enterrer. Pourvu que j'emporte quelqu'un, moi, ça m'est égal. Allons, venez. Au revoir. Tant pis pour le docteur, bon débarras. Et toi qui voulais que je sois médecin, tu vois comme c'est dangereux. Comment ? Tu es... Oh, comment ? Tu es sauvé grâce à moi ? Et c'est comme ça que tu me remercies ? À nous deux, mon petit bonhomme. Tu vas descendre la boîte à ordures, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire le dîner. Je mangerai le poulet et toi tu seras privé de dessert. Terminé. Cap de fin. Bon. Voilà. Donc nous avons fini bon, ce texte. Rodolphe. C'est ça. 14 minutes. Bon, ça. C'était pas... C'était pas si long que ça, finalement. Je pense qu'on a tout lu. Enfin, on n'avait pas prévu de tout lire, en vrai. Mm-hmm. Finalement, on a tout lu. Merci de ton jeu d'acteur, Rodolphe. Merci, Stéphane. T'as été éblouissant. Je tenais à le dire pour tous les spectateurs. Non, heureusement que tu me le dis à moi aussi. Merci, Rodolphe. Sur ce, je propose qu'on coupe là.
On avait une autre idée d'impro, mais tu sais, faire les impros, le machin. Mais cette session de lecture de texte est terminée. Bon, on verra si on continue ou pas. Mais bon, c'était marrant comme expérience. Au revoir tout le monde et à une prochaine fois sur Radio Théâtre, bien sûr, la radio qui fait du théâtre. Hein. C'est le thème. Merci Rodolphe. Merci Stéphane. Stéphane, d'accord. Je savais pas que je m'appelais Stéphane. Et je coupe. Bah maintenant.